أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Chers frères et sœurs, le mois de Ramadan, comme tout autre pilier de l'islam, a un objectif précis. Pour celui de Ramadan, c'est accroître notre piété, notre rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'avoir à l'esprit la présence divine afin que l'accomplissement des bonnes œuvres devienne facile, mais aussi afin que le délaissement des péchés devienne aisé pour nous. Pour atteindre cet objectif, l'une des œuvres qui puisse nous aider à cela est la générosité. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: لَنْتَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Vous n'atteindrez jamais la vraie piété que lorsque vous ferez largesse de ce que vous chérissez. Et tout ce dont vous faites largesse, Allah subhanahu wa ta'ala le sait très bien. Alors, pour atteindre la piété, Allah nous demande à être généreux. Allah nous demande à ce que nous donnons ce qui nous est cher, c'est-à-dire la richesse. Également, dans un autre verset, Allah nous dit: wa anfiqou mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise: ô Allah, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai le monde et je serai parmi les gens de bien. Et Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Chers frères et sœurs, le prophète Mohammed était généreux et durant le mois de Ramadan, il était encore plus. Et d'après Aïcha radiallahu anha, elle dit que la générosité du prophète Mohammed durant le mois de Ramadan dépassait le vent qui souffle. Vous voyez que lorsque le vent souffle, ça touche à tout le monde, que tu sois musulman ou pas, croyant ou mécréant, les animaux, tout le monde en profite. Et tout le monde profitait de la générosité du prophète Mohammed durant le mois de Ramadan. Chers frères et sœurs, d'autant plus que nous sommes dans un contexte assez particulier, marqué par la crise humanitaire, nous devons encore être plus généreux afin que nos frères et ceux qui sont dans des difficultés puissent trouver le bonheur de vivre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.